On sort d'une période qui a duré à peu près une trentaine d'années où on a beaucoup mis en place des dispositifs spécifiques pour répondre à des problématiques identifiées. Un problème, une loi, un dispositif, un public cible, des critères, etc. L'intérêt que ça a eu, c'est que ça a développé des ressources qui n'existaient pas auparavant. L'inconvénient, c'est que ça a démultiplié des interlocuteurs. Quand vous n'êtes pas dans les critères, vous tombez dans le trou. Et puis il n'y a pas de possibilité ni pour un travailleur social ni pour personne de bouger les règles. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on avait perdu de vue la vision globale et que les personnes souffraient et que, au contraire, on accentuait les difficultés de repli, d'appréhension d'aller vers des choses inconnues, parce que aujourd'hui, quand on est dépendant des transferts sociaux, des allocations, eh bien, il faut pratiquement être sorti de l'ENA pour arriver à se repérer dans tout le maquis socio-administratif, les logiques de chacun des dispositifs, etc. Et nous, on touche de près cette question parce que nos travailleurs sociaux, depuis plusieurs années, nous disent, mais nous, on n'en peut plus. Parce que des procédures, elles n'ont aucune la même logique, elles ne sont pas sur les mêmes critères. Donc à chaque fois, il faut qu'on change de registre, on passe notre temps à ça et on perd de vue que la personne, certes, elle a un problème, mais le problème, il faut qu'on le resitue dans un ensemble avec elle. C'est pour ça qu'on était sensibilisé à cette question depuis plusieurs années, qu'on essaie de le travailler avec les professionnels, et que cette proposition d'accompagnement global, elle répond justement, chacun est dans sa spécificité, dans son métier, et accepte de croiser son regard avec la compétence de quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est la personne qui est le chef d'orchestre de tout ça. Il faut qu'elle l'accepte et il faut qu'elle soit partie prenante. Et en général, à quelques rares exceptions près, les personnes, quand on leur offre cette opportunité, elles sont vraiment parties prenantes.